Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's Your Boy and Girl. J'espère que tu es prêt à être motivé parce que je te motive tous les jours pour gagner le combat mental, pour que tu puisses tous les jours gagner ce combat mental-là. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu dois croire en toi, tu dois croire en tes capacités. Crois en toi, crois en toi. J'aimerais te dire, crois en toi, tu dois croire en ce que tu es capable de faire. Tu dois croire même quand les autres ne croient pas en toi. Tu dois d'abord croire en toi en premier, croire en toi. Le problème qui se passe avec toi, c'est que tu crois plus les autres que tu ne crois en toi. Tu crois plus la télévision que tu ne crois en toi. Tu crois plus tes collègues, tu crois plus les professeurs, tu crois plus tes amis que tu ne crois en toi. Tu dois croire en toi, il y a du pouvoir dans je suis. Tu dois dire je suis excellent, je suis ambitieux, je peux aller de l'avant. Tu dois croire en toi. Crois en toi, c'est important. Ne crois pas les autres plus que tu ne crois en toi-même. Non, crois en toi, c'est très important. Même quand ta famille ne croit pas en toi, crois en toi. Aïe, même quand t'es, peu importe les personnes qui ne croient pas en toi, tu dois croire en toi parce que tu es seul. La triste réalité de ce monde, c'est de considérer qu'on est seul sur la terre. J'aimerais le répéter. Vraiment, la triste réalité, c'est de reconnaître qu'on est seul sur la terre. Même si tu as une grande famille, même si tu as beaucoup d'amis, tu es seul sur la terre. Ça veut dire que personne d'autre ne va faire à ta place. Personne ne va croire en toi à ta place. Tu dois croire en toi d'abord. Avant que les autres ne puissent croire en toi, tu dois d'abord croire en toi. Avant que les amis ne puissent croire en toi, tu dois d'abord croire en toi. Avant que la société ne puisse croire en toi, tu dois d'abord croire en toi. Le problème, c'est que tu ne crois pas déjà en toi et tu attends que les autres puissent croire en toi. Non! Non! Tu ne peux même pas toi-même, tu ne crois pas déjà en toi-même. Et tu attends que les autres, tu es triste parce que les autres ne croient pas en toi. Tu es triste parce que ton entourage ne croit pas. Mais toi-même, tu ne crois pas en toi. C'est comme si tu vendais quelque chose que tu ne crois pas en toi-même. Alors tu dois croire en toi. J'aime bien cette histoire. Ceux qui ont inventé l'avion, les frères Wright. Alors que personne ne croit en eux. Personne ne croit en eux. Ils ont imaginé l'avion alors que la voiture roulait à peine. Ils ont imaginé l'avion alors que les voitures roulaient à peine. Personne n'a cru en eux. On disait qu'ils étaient fous. Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Mais parce qu'ils ont cru en eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de voyager des milliers de kilomètres à cause d'eux. Et c'est la même chose même pour celui qui a les ondes téléphoniques, le téléphone qu'on a aujourd'hui. Cette personne-là, on a dit qu'il était fou. On l'a même envoyé en centre psychiatrique parce qu'on disait qu'il était fou. Mais parce qu'il a cru en lui-même, il a cru en ses capacités. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, crois en tes capacités, crois en ce que tu es capable de faire. Tu dois croire en toi. Et même si tes proches ne croient pas en toi, crois en toi. Tu es tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin présentement, c'est toi. Juste un petit peu de volonté, crois en toi. Et c'est ça qui m'a gardé depuis. Pourquoi? Parce que je crois en moi malgré toutes les circonstances. Je crois tellement en moi que rien ne peut m'arrêter, même n'importe quel obstacle, je suis prêt. Et c'est la même chose pour toi, crois tellement en toi. Même si les embûches, peu importe, crois en toi, tu dois croire en toi. Tu es ton premier investissement. Ton premier investissement, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les choses que tu achètes. Ton premier investissement, c'est toi. Alors tu dois croire en cet investissement-là qui est toi, en ce que tu es capable de faire. J'aimerais que tu puisses croire en toi maintenant. Alors oublie tout le reste, crois en ton potentiel. N'attends pas que les autres puissent croire en toi alors que toi-même tu ne crois pas en toi. Non, non, non. Tu dois croire en toi d'abord. Crois d'abord en toi et les autres vont suivre. Crois en toi. Alors c'est tout pour aujourd'hui. C'était Angel King, ton motivateur personnel.